Merci, cher collègue. Madame Granger. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, depuis hier, on parle beaucoup d'intérêt supérieur de l'enfant. J'entends ce que vous dites. Effectivement, de nombreux textes se réfèrent à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais vous ne trouverez dans aucun texte une définition précise de ce qu'est cet intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire que c'est très flou. Alors ça a un avantage, c'est que cela permet au preneur de décision de l'adapter à la situation d'un enfant, de l'adapter à chaque enfant. Mais ça a également un inconvénient, et ça présente un risque, c'est de graver dans la loi quelque chose qui a une part de subjectivité. Et cette part de subjectivité, est-ce qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant ? Je ne le crois pas. C'est pourquoi je voterai contre vos amendements.